Encore quelques minutes. Toutes les informations contenues dans ce film parviendront au public, les plus vite nous obtiendrons l'abolition de la vivisection. Cette tâche doit être entreprise par des simples citoyens comme vous et moi. Nous obtiendrons un changement radical des lois seulement lorsque la grande majorité de la population forcera les politiciens à réagir. Par conséquent, la clé de la réussite consiste en une information claire et précise. Voici quelques endroits où vous pouvez commencer à travailler dès maintenant. Premièrement, présentation publique. Montrez ce film au plus grand nombre de gens possible. Organisez des présentations chez vous, chez vos voisins, dans des clubs locaux, des églises, des écoles, des collèges et tout autre endroit où vous pouvez rassembler un groupe de personnes. Deuxièmement, les étudiants. Les étudiants détiennent la clé de la solution. D'abord, montrez ce film dans votre classe. Formez un groupe anti-vivisectionniste dans votre école et mettez ce film à la disposition des autres classes. Obtenez l'appui de vos parents, professeurs et camarades de classe. Boycottez les classes de sciences jusqu'à ce que la direction accepte d'abolir la dissection d'animaux, qu'ils soient morts ou vivants. Si cela est nécessaire, rencontrez le principal ou le comité d'éducation. Appelez les médias. Faites des manifestations à votre école.
Si vous êtes étudiant dans un collège ou une université, obtenez des preuves sur film. Mettez ce film à la disposition des médias et des étudiants. Formez un groupe anti-vivisectionniste sur votre campus. Refusez de pratiquer la vivisection et boycottez vos classes. Obtenez le plus possible l'appui de professeurs et d'étudiants et organisez des manifestations sur votre campus. Insistez sur l'inutilité et les effets néfastes de l'expérimentation animale. Appelez les médias. Il est clair que les changements doivent venir de l'intérieur des écoles, des collèges, ainsi que des universités. Vous pouvez les provoquer dans votre école. Vous pouvez compter sur notre appui. Troisièmement, trafic d'animaux domestiques. Formez un groupe dans votre communauté pour faire cesser la vente d'animaux de fourrière et des chenilles au laboratoire. D'abord, déterminez quelles chenilles ou fourrières sont impliquées dans ce trafic, à quel centre de recherche ils les vendent, et exposez la situation au public. Exercez des pressions sur les responsables locaux et sur les politiciens pour faire cesser cette pratique. Manifestez devant les fourrières, chenilles et laboratoires impliqués. Manifestez devant l'hôtel de ville. Prévenez toujours les médias. Quatrièmement, les zoos. Enquêtez sur les zoos locaux. Comme vous l'avez déjà vu, plusieurs zoos mettent en disponibilité et ou élèvent des animaux pour la recherche. Si c'est le cas, exposez la situation et manifestez devant les zoos. Exercez des pressions sur la direction du zoo. Toujours prévenir les médias. Cinquièmement, l'industrie. Dénoncez les compagnies qui élèvent des animaux pour la recherche. Dénoncez les compagnies qui bénéficient de cette vaste industrie qu'est la recherche animale. Par exemple, la multinationale Charles River Breeding Labs de Wilmington, au Massachusetts, et sa maison mère, Bausch & Lomb, Rochester, à New York. Mais il y en a beaucoup plus, comme la compagnie Ralston Purina de Saint-Louis, Missouri, qui fait des millions en vendant de la nourriture pour animaux domestiques et aussi des millions en vendant de la nourriture pour toutes sortes d'animaux de laboratoire. Boycottez les produits Bausch & Lomb ainsi que la nourriture pour chats et chiens de Ralston Purina. Dites-leur pourquoi vous n'achetez pas leurs produits. Organisez des manifestations contre ces compagnies et contactez les médias. Dénoncez les compagnies de cosmétiques de vos communautés, les complexes industriels et leurs pratiques. Sixièmement, les télétons. Ne donnez pas votre appui aux télétons qui amassent de l'argent pour la recherche. La plupart d'entre eux le font. Rappelez-vous que recherche veut dire recherche animale. Dites-leur pourquoi vous ne leur donnez pas votre appui. Faites la même chose avec les envois postaux qui demandent des dons. Dénoncez les organisations impliquées. Informez les médias. Septièmement, les victimes humaines. Essayez de mettre sur pied dans votre communauté un groupe de personnes qui ont été victimes de mauvaises pratiques médicales, de médicaments ou de vaccins. Établissez-en la relation avec la recherche animale pour les médias locaux et les politiciens. Comme vous pouvez le voir, ce que vous pouvez faire se résume en quatre points. Informer, exposer, manifester et toujours appeler les médias. Voici pourquoi les manifestations sont si importantes. Elles sont un excellent moyen de garder le sujet connu du public. Ne manifestez pas seulement devant les institutions impliquées directement ou indirectement dans la vivisection, mais aussi devant les résidences des vivisecteurs, ce qui est très efficace. Informez-en leurs voisins et bien sûr, appelez les médias à l'avance. Puisqu'il est peu probable que la télévision commerciale veuille présenter ce film, il est mieux de vous concentrer sur la télévision communautaire et ou les stations du câble. Sopress procurera une copie à toute station de télévision intéressée à montrer ce film. À la télévision commerciale, vous pouvez essayer d'obtenir un peu de temps d'antenne pour promouvoir Crime Caché et informer le public de son existence et de sa disponibilité en cassette vidéo. Vous pouvez aussi former un groupe sous presse dans votre localité. Appelez pour avoir des renseignements. Vous pouvez faire partie de l'imminente venue des séquences révolutionnaires qui changera la recherche et la médecine pour toujours. Vous pouvez compter sur mon aide personnelle. Tenez-moi au courant des développements. Merci de votre appui.